La Thaïlande, un pays aussi grand que la France avec plus de 70 millions d'habitants. Une destination touristique de rêve pour beaucoup. La Thaïlande, ce sont les fameux tuk-tuk, ces motos trois roues, et surtout l'omniprésence de la culture bouddhiste. Ici, 95% de la population pratique cette religion. Contrairement aux idées reçues, le jeu et le bouddhisme ne font pas si mauvais ménage que cela. Vous aurez l'occasion de le constater par vous-même dans la suite de ce reportage. Même si les casinos et autres jeux d'argent comme le poker ou le baccarat sont interdits en Thaïlande, ils se pratiquent clandestinement. Par contre, la loterie nationale ainsi que les courses hippiques sont contrôlées et surveillées par l'État et l'armée. En Thaïlande, il y a 5 hippodromes en activité à ce jour. Ici à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, l'hippodrome se situe sur une base militaire. Il fait également office de centre d'entraînement. Le matin, à la fraîche, les chevaux s'entraînent sur l'hippodrome. Mais à partir de 10h, la chaleur est trop intense et le seul moyen de pouvoir travailler un cheval est de l'emmener nager au lac, près du temple bouddhiste. Les courses fonctionnent en circuit fermé en Thaïlande, un système archi-protectionniste. Un cheval non enregistré sur le territoire ne pourra jamais courir. Par contre, les chevaux du Nord comme ceux de Chiang Mai peuvent venir tenter leur chance dans la capitale, Krung Thep, la cité des anges, plus connue sous le nom de Bangkok. Le Royal Turf Club est un des deux hippodromes de la capitale thaïlandaise. Il se situe en plein cœur de la ville et comme la plupart des hippodromes asiatiques, il accueille un golf au milieu de la piste. Le champ de course ne date pas d'hier, il a été inauguré en 1961. En 2014, 26 réunions sont programmées sur ce site. C'est presque deux fois moins qu'au début des années 2000. Comme un peu partout dans le monde, les courses ont souffert de la crise. Les organisateurs qui avaient dans un premier temps densifié le programme ont été contraints de revenir en arrière pour permettre aux joueurs comme aux professionnels de suivre la cadence imposée. L'entrée sur l'hippodrome est de 100 bahts, et comme dans la ville, des marchands ambulants vous proposent à boire et à manger à des prix défiant toute concurrence. Très peu de gens parlent anglais en ce lieu, et les programmes sont en thaï, compris dans le droit d'entrée. Il n'existe aucun betting shop, des points courses, en ville. Le seul moyen de parier sur les chevaux est de venir à l'hippodrome. Il s'agit d'un souhait gouvernemental pour éviter à certains de tomber dans la dérive du jeu. L'hippodrome accueille en moyenne 15 000 personnes par réunion et les courses fonctionnent suivant le système des handicaps. Elles se disputent la plupart du temps sur des courtes distances entre 1100 et 1300 mètres. Ces courses ont lieu toute l'année, mais on distingue deux périodes qui correspondent aux saisons, à savoir la mousson et la saison sèche, l'été. Les épreuves sont relativement bien dotées puisque les petites catégories offrent 700 euros aux gagnants et les cups, l'équivalent de nos groupes 1, entre 1 million et 2 millions de bahts. Concernant le jeu, les organisateurs sont restés dans le basique avec seulement des paris gagnants placés, des couplets et le trio. Les courses manquent incontestablement de médiatisation et d'écho auprès du grand public avec seulement deux quotidiens généralistes de Bangkok qui les traitent. Mais malgré tout, les chiffres sont très corrects à tous les niveaux, et ce, en dépit d'un ralentissement de l'activité.
À Bangkok, comme partout ailleurs, il existe deux endroits bien distincts sur l'hippodrome, les balances et le grand public. Dans l'enceinte des balances, on peut ressentir comme un brin d'époque coloniale, même si cette dernière n'a jamais existé en Thaïlande. C'est d'ailleurs l'une des grandes fiertés de ce peuple. Côté public, on ne peut pas dire que l'on baigne dans le luxe, mais cette part d'insalubrité donne une connotation vraie à ce lieu. On se croirait revenu des années en arrière et finalement, cela a également son charme. Concernant le déroulement des courses, c'est un système un peu particulier comme vous allez pouvoir le constater. Avant chaque épreuve, les concurrents doivent se présenter sur la piste devant les tribunes. En cours de réunion, cela donne une scène improbable en France avec le gagnant d'une épreuve qui pose pour la photo, puis effectue son tour d'honneur, pendant que les concurrents de l'épreuve suivante tournent sur la piste devant le public. Une fois présentés au turfiste, les concurrents se rendent au stall de départ. C'est à partir de ce moment-là que l'hippodrome s'anime et devient un lieu de vie assez incroyable. Tous les concurrents doivent être dans leur stall à 3 minutes du départ. Les informateurs des écuries appellent alors les gros joueurs pour leur indiquer ce qu'ils ont entendu. Ces gros joueurs placent alors leur pari. De là, certains guichetiers alertent des indiques qui transmettent l'info à quiconque le paye. Les bookmakers en premier. Ces bookmakers, présents un petit peu partout sur l'hippodrome, n'ont pas souhaité être filmés de près comme de loin. Toutefois, nous avons pu les voir à l'œuvre et nous faire expliquer leur mode de fonctionnement par un turfiste avisé. Le bookmaker est toléré et protégé par les policiers, ainsi que le club sur l'hippodrome de Bangkok comme partout ailleurs en Thaïlande. De ce fait, il reverse une partie des paris à la filière. D'après nos informations, deux tiers des enjeux sont placés chez eux, et seulement un tiers au PMU Hippodrome. Le book, lui, note où il peut les paris qu'il prend, sur un programme ou sur sa main. Cela peut paraître un peu archaïque, mais soyez sûr qu'il n'oublie jamais rien. Tout est basé sur la confiance entre le joueur et le bookmaker. Ce dernier se base uniquement sur l'aspect physique de l'individu pour le reconnaître, si ce n'est pas un habitué. Par exemple, il notera sur son papier l'homme européen 500 bahts gagnant sur le 3. Tout se passe toujours très bien et personne n'a intérêt à transgresser les lois internes, sinon c'est à la police que reviendra le dernier mot. Et là-bas, tout le monde sait qu'il vaut mieux l'éviter. Le bookmaker ne travaille pas seul. Il a à ses côtés les fameux runners. Ces hommes sont chargés de transmettre des infos, de placer des paris, de brouiller les pistes et éventuellement de rabattre de nouveaux clients. En ce jour de course, nous avons la chance d'assister à une épreuve de cup, l'équivalent de nos groupes 1 en France. Celle de cet après-midi offre 1 million de bahts aux gagnants. Les guichetiers et les bookmakers prennent des paris très élevés pour cette épreuve. On sent une atmosphère très particulière à cet instant sur l'hippodrome. Le départ est donné et ce que l'on pourrait confondre avec une prière est en fait un commentaire. Le jockey est rémunéré à hauteur de 10% ici, et les pourboires se donnent directement sur la piste, à la vue de tous, seulement pour les cups. Cela fait partie du folklore des courses en Thaïlande, et cela plaît au public. Le jockey ne doit surtout pas relâcher les billets avant son retour aux écuries. Exposer l'argent à la vue de tous n'est pas péché pour un bouddhiste, si tout reste fait dans les règles de l'art, ou plutôt de la tradition. Avec une moyenne d'environ 1,2 million de bahts joués par épreuve, les courses ne se portent pas si mal que cela en Thaïlande. Les allocations distribuées sont assez intéressantes également, de quoi faire rougir nos voisins européens. Notez toutefois que les cups sont souvent, pour ne pas dire tout le temps, sponsorisés par des propriétaires qui n'hésitent pas à injecter de l'argent dans le circuit. Alors même s'ils fonctionnent en circuit fermé avec quelques zones d'ombre, le système thaïlandais peut être qualifié de réussite grâce à des mesures restrictives courageuses prises par le passé. Peut-on maintenant parler de modèle? Non, certainement pas. Mais peut-être de bons exemples d'autocritique réussis. Mmh.
Yeah.